Il va bien. Il va bien. Nous avons pu mettre sur pied le comité national SPS et depuis lors nous avons travaillé d'arrache-pied donc pour promouvoir sur les marchés internationaux. Donc l'objet de la réunion d'aujourd'hui c'est juste pour préparer la 70e réunion. Il y a de nombreuses questions SPS qui nous bloquent un peu dans les démarches commerciales. Nous avions souhaité, avec l'appui du cadre intégré, vous réunir aujourd'hui pour avoir donc une proposition consensuelle pour le Sénégal. Je suis rassuré des résultats de vos travaux parce que je connais beaucoup de personnes d'entre vous, comme le président du CEFAS, le président du COPEGA, les fonctionnaires des services d'État qui sont ici, des personnes très engagées. Déterminé donc à porter haut le flambeau du Sénégal. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne réunion. Je serai très attentif donc aux conclusions de vos travaux. Bonjour, Madame Fall Moudissa, je suis... Moi, c'est Abdoulaye Diawara, je m'occupe du bureau des régions alimentaires, la direction des fonds des consommateurs du Sénégal. Merci. Monsieur Abib Thiam, le président, en accompagnant le comité pour défendre les intérêts du Sénégal. Et... protéger la santé et la vie des personnes, des animaux, des découlants des... Donc, comme vous l'expliquez, il y a des lois
de la direction des industries animales. Un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Ok, directeur, vous rappelez-nous d'abord le nom. Abdoulaye Ndiaye, je suis le chef de la division législation phytosanitaire et quarantaine des plantes à la direction de la protection des végétaux, point national d'information pour les mesures sanitaires et phytosanitaires. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les objectifs de cette rencontre? Okay. Donc, cette rencontre, disons, cet atelier national, rentre dans le cadre de la préparation de la 70e réunion du comité des mesures sanitaires phytosanitaires de l'OMC. Donc il s'agit de voir un peu l'agenda de la 70e réunion du comité espèces, évidemment d'intégrer les préoccupations du Sénégal et de se positionner sur les grandes questions en cours au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, en tout cas et entrer aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Parce que comme vous le savez, cette Organisation mondiale du commerce, à travers ce comité espèces, surveille un peu le commerce international pour qu'aucun partenaire ne soit lésé. Donc il y a des principes à respecter et si ce n'est pas le cas, c'est là-bas un peu le forum de discussion pour poser les problèmes et les résoudre évidemment. Et quelles sont les craintes du Sénégal? Bon, pour les craintes du Sénégal, j'avoue que nous pouvons citer par exemple le cas de noix d'acajou. L'Inde, qui constitue un marché très important pour notre pays, a pris une mesure de quarantaine qui nous oblige donc à utiliser le bromure de méthyle pour les traitements post-récolte. Et comme vous le savez, au niveau du Sénégal, c'est un produit qui a été délaissé, abandonné depuis fort longtemps, du fait du danger qu'il peut représenter pour les utilisateurs. Et également, c'est un produit visé un peu par le protocole de Montréal, parce que détruisant la couche d'ozone. Et pour y faire face, nous avons proposé aux partenaires indiens un produit alternatif, un fumigant, homologué donc par le comité sahélien des pesticides, à nous évidemment de prouver que le niveau approprié de protection de l'Inde sera effectivement atteint à travers ce produit. Donc les discussions sont en cours et nous sommes appuyés par cela par beaucoup de pays africains qui sont logés à la même enseigne. Parce que c'est un peu comme ça que les choses se passent à l'OMC. Et si il y a l'Inde et le Vietnam, certains produits ont des problèmes pour accéder à ces pays-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça aussi? Exact. Pour le Vietnam également, c'est en fait lié à l'arachide hein, d'exportation. Depuis 2016, ils nous avaient notifié un peu une mesure de quarantaine qui visait un peu des organismes, disons, des insectes détectés dans certains conteneurs. Elle nous avait demandé provisoirement d'arrêter les exportations vers ce pays et évidemment de leur préparer un document d'analyse de risque phytosanitaire qui peut les rassurer d'abord avant de continuer. Le document a été déjà préparé et transmis aux autorités vietnamiennes. Maintenant, nous suivons à travers le comité espèces. Il y aura des discussions qui seront engagées également là-dessus avec l'appui de notre mission permanente à Genève. Et là, je pense qu'également des solutions sont possibles. Pour le cas de la Russie, la diversification des produits, vous pouvez revenir sur ça? Voilà, pour la diversification des produits également, à travers donc les différentes participations du Sénégal au niveau du comité espèces, il y a effectivement le marché russe qui devenait, en fait, qui constitue un problème de blocage phytosanitaire. Mais finalement, avec les séances bilatérales que nous avons eues, disons, à Genève avec la délégation russe depuis 2015-2016, je peux dire, finalement, le problème a été résolu. Et aujourd'hui, c'est un marché niche. Il y a certains de nos opérateurs qui ont pénétré ce marché. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que nous atteignons un volume de plus de 100 000 tonnes de produits de fruits et légumes exportés par le Sénégal. Donc là, c'est parce qu'effectivement, il y a une diversification des marchés qui a eu lieu, surtout le marché russe, qui est très, très intéressant. Et là, nous continuons quand même à, disons, accompagner ces opérateurs et explorer même à la limite d'autres marchés hein, produits. Il y a un insecte ravageur appelé chenille légionnaire. Par rapport à cet insecte, quelles sont les dispositions que la DPV a prises? Ok, par rapport donc à la chenille légionnaire d'automne, un insecte qui a été détecté tout récemment au Sénégal, je pense au mois de 2017, les dispositions ont été prises par la DPV. En amont déjà, il y avait, disons, au niveau
nationales, dans nos différentes bases d'investissement agricole, il y avait des instructions qui avaient été données. Effectivement, il y a une surveillance très rapprochée qui est effectuée par ces bases au niveau des zones. Et les informations nous viennent régulièrement. En dehors de ça, il y a également les postes de contrôle phytosanitaire où les activités ont été renforcées pour un peu, en tout cas, détecter très rapidement les premières infestations. Effectivement, un problème de quarantaine s'est arrivé parce que tous les pays, donc ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest, étaient infestés. Il ne s'est pratiquement que le Sénégal et la Gambie. Maintenant que c'est arrivé, nous continuons quand même dans le travail. Et nous sommes appuyés aussi par des partenaires pour nous permettre un peu de circonscrire les infestations et effectivement d'y faire face. Maintenant, c'est ce qu'il faut préciser, c'est qu'en réalité, en termes d'incidence de culture, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que l'insecte est venu à un moment où les cultures avaient pratiquement échappé. Donc maintenant, nous surveillons un peu les cultures horticoles, donc surtout le maïs doux, qui est une plante quand même préférée par cet insecte. Et toutes les dispositions sont prises, nous suivons tranquillement. Et pour le bilan, le marché est ouvert pour la vente. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures exact. Exact. Pour le Liban, effectivement, c'était un problème lié aux mouches de fruits. Parce que le marché est assez intéressant, mais avec le problème des mouches de fruits, il fallait les rassurer. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait donc aussi bien par la protection des végétaux que par le comité espèce lors de ces rencontres. Et finalement, maintenant, les produits, la mangue sénégalaise peut aller au Liban tranquillement s'il y a des partenaires. Quelle est la situation justement des produits sur le marché international? Le Sénégal exporte combien de tonnes par année et quels sont les produits les plus prisés? Ah oui, sur le marché international, en tout cas pour le sous-secteur horticole, il faut se féliciter qu'on a eu régulièrement une augmentation de nos exportations. Comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui à plus de 100 000 tonnes, disons, de fruits et légumes exportés sur le marché international. Cela évidemment du fait de l'organisation qu'on a ici au niveau du Sénégal, des opérateurs très bien organisés à travers la coopérative fédérative des acteurs de l'horticulture et un encadrement très rapproché pour un peu le respect des normes sanitaires, phytosanitaires et même de qualité commerciale. Bon, les produits les plus, disons, exportés, il y a la mangue, le maïs doux d'abord qui vient en tête, le maïs doux, la mangue, il y a également les haricots verts, pour ne citer que ces trois, mais il y a au moins une quinzaine de spéculations qui sont exportées actuellement au niveau du Sénégal. Le maïs doux, c'est le paradoxe. Bon, nous importons ce que nous consommons alors que nous sommes le premier ou deuxième exportateur. Oui, maïs doux, quand même, on en exporte beaucoup. Maïs doux. Mais nous importons ce que nous consommons. Bon, ça c'est vrai. Mais de toute façon, des efforts sont faits et puis je pense que si, en tout cas, la tendance là continue, se confirme, peut-être arrivera un jour quand même, notre balance sera peut-être excédentaire. Et la phototoxine également, bon, ah, okay. Est-ce qu'il y a une harmonisation pour le taux peut-être? Oui, pour la phototoxine, effectivement, il y a des normes au niveau international. Pour l'arachide, par exemple, pour la Chine, effectivement, il faudrait respecter le taux d'aflatoxine. Il ne faut pas dépasser les 20 microgrammes par kilogramme d'arachide. Et là, je pense que toutes les dispositions ont été prises par les opérateurs. Depuis la récolte, hein, il y a des techniques qui permettent toujours de diminuer ce taux d'aflatoxine. Et mieux encore, il y a récemment un produit, l'aflasève SN01, qui a été mis au point par la recherche, qui est quand même en début de vulgarisation pour un peu lutter contre cette aflatoxine. Et là, j'avoue que l'espoir est permis. C'est nouveau. Merci. Wow, nous avons dit que comité SPS bobu nak mom moy lekkal service yépp fi mu nek au niveau national bala ñuy dem manam lu démé ni que réunion ordinaire bu nga xamni organisation mondiale commerce lay am da fay laaj ñu dajalé acteurs yépp xol problème ñuy jankontel sen secteur bu féké laaj nañu poser que bu ñu démé fofu au niveau de ci instance internationale bi ñu dajalé que yépp ba valider que mu nek document du Sénégal ñu yobbu ko pour défendre manam suñu ay produits. Non seulement nous avons dougu ci marché mais également nous avons diversifier davantage le marché parce que aussi comme international non lay doxé
pour nga mëna manam imposer aussi marché bi faaw nga respecter li na norme sanitaire ak phytosanitaire bu fekke également gis nga ni amna ko nga xamé ni que si lenen la ci djiblu ba tégal la manam ay galam ko ni ce produit du fa mëna dugg bu fekkene yow nangouko également dang fa wara poser nit ñi waxtaan ni que trouver solution si yoy nak lañu nek amna produit yi nga xamni fi nek ni man na ni dugg na ci lu démé nak marché ris tomate bi da fay dem légui facilement amatul ben problème phytosanitaire bu dé Chine bi également yakna ñep xam nañ gerte gi da fay dem amul ben problème gerte gi da duñ ko apprécier bu baax ñom maintenant amnañ aussi ay problème lu démé nak marché indien noix de cajou bi lu bëré da fay dem ak Vietnam tout arraché doy donc ñoñu mom document yoyu ñongi en cours au niveau comité espèce donc ñu leen di défendre manam pour won leen disposition yi war yépp jël nañ ko bu féké affaireu end la daf ñu amna produit bu ñu bëgg ñun ñukay utiliser bu ñu traité cajou bi té produit bobu ñun Sénégal utiliser tuko donc ñun fokk ñu won leen ni leen produit bi ñu utiliser mëna garantir protection sur les consommateurs si lool nak lañ nek di waxtaan ak ñom ay consultation technique bu ñu démé Genève ci réunion bobu nak délégation Sénégal également dañ ci wax pour discuter ak ñom pour mëna trouver solution Vietnam également ben problème la won ci conteneur ñu gissone tout quelques insectes en 2016 ñu ñu won nak pour le moment fa ñu defal lén ben document bu nga xane day woné liguey bi ñu def yépp ci manam certification ara gerté gogou pour rassurer lén que ni liguey bi ci war yépp dañ ko def ñu waré ba lañu accepté wat lool nak ñun def nañ ko ba paré ba transférer lén ko document bu di sax jox nañ lan ko ñu koy étudier buñu paré nak dañ ci waxtana ak ñom pour xol fan la ben insecte bu lu xamné ñu koy jampanter ci walu mbay mi moy chenille légionnaire en fini ci DPV yeen matukay ngeen jël vraiment ngir xex li ni mel wa pour chenille légionnaire ñu ñong ko doon suivre yag na sax parce que amone na ci réew yi ñew na ci Afrique maintenant depuis daw réew yu bari ñu wër déjà amone nañ Afrique de l'Ouest mais bobu tay ñong koy suivre mais yalla def na aksi na fi au mois d'août août bi passé ak dugg na Sénégal mais muy dugg ci aussi fekk na wax deug yalla mbay mi ci beure en tout cas lañuy bay ci nawet bi ci beure ciot na bu paré donc si bien que boudé walu yak yak démewul nonu ñun nak fi mu nak tek nañ ci dispositif ñongi suivre dispositif mo na amé nañu ay base de surveillance yi nga xam ñoo nek zone agroécologique yi am ay poste de contrôle phytosanitaire ñepp demane lañ ñu renforcer contrôle li renforcer surveillance bi maintenant également ñongi xol ay méthode ñuy permettre suivre manam nan dynamique des populations xam nga xam nan la tollu ci rew mi donc fepp nga xam ni que meuna fa yak dara dans tous les cas dañ fa yob li nga xam ni que ñong ko tudde pH à phéromone lu nga xam dañ la won ndax yak yak bi ndax insecte mi ngi fi ou bien bu ko defé buñ defé lol ba xam ampleur infestation yi maintenant donc engager ay mesures de lutte mais dal ñong koy surveiller très près mais pour le baykat yi mën nañ leen dal wa mën nañ dalal seen xel pour le moment wax deug yalla mul ben yak yak bu wara tax nit ñi tit parce que ñong koy surveiller bu baaxa baax ak suñu équipe voilà je suis le président du COFAC c'est le cadre de concertation des opérateurs de la filière d'encadrement naturel mais je suis le président du comité national pour la mise en place de l'interprofession l'ANACARD au Sénégal et membre du comité africain donc de l'ANACARD alors faites-nous le point la situation de l'ANACARD l'exportation et autres oui la situation est comme tous les autres produits agricoles. On est confronté à certains problèmes. Problèmes de financement de la campagne, surtout. Bon, et l'implication timide de l'État. Mais bon, ça va peut-être être un mauvais souvenir dans quelques temps, puisque l'État commence maintenant à s'y impliquer avec la naissance du Conseil international consultatif du cajou. En parlant donc des exportations, l'année dernière, on a exporté 45 000 tonnes, une masse financière de 60 milliards de francs CFA. D'accord. Et comment le produit est apprécié sur le plan international? Oui, le produit est très apprécié sur le plan international parce que nous exportons le produit brut vers l'Inde principalement et le Vietnam. Et donc ce produit est transformé et revendu dans les marchés américains, européens et arabes. Et comme c'est un produit qui est sur le plan nutritif est très apprécié, parce que c'est un produit sur le plan de la santé, c'est un produit
qui n'a pas de cholestérol, ça c'est un. Donc c'est un produit qui, si tu manges l'amande de cajou tous les jours, ça diminue le vieillissement. On dit même que ça diminue le truc, ça augmente un peu la durée de vie, on le dit, de quelques années. Par exemple, ça diminue aussi, ça équilibre aussi le rythme cardiaque. C'est un produit aussi, par exemple, la pomme de cajou, le jus de cajou, a 16 fois plus de vitamine C que l'orange. C'est un produit qui est très prisé. Et tout ce qu'on produit dans le monde, donc on le transforme et on le mange. Voilà. Alors, pensez-vous à mettre en place des unités de transformation? Oui, il y a des unités de transformation qui ont été mises en place par exemple le PADEC, c'est le programme d'appui au développement économique de la Casamance, appuyé aussi par l'IRD qui était là, de l'USDA. Mais vous savez, comme je l'ai dit au début de l'interview, il y a un problème de financement de la commercialisation. Les transformateurs et transformatrices sont confrontés à des problèmes pour acheter la matière première. Voilà, ce qui fait que... Et l'autre chose, c'est que depuis 3 ans, les unités de transformation de l'Afrique ont des problèmes pour s'approvisionner. Parce que le prix est tellement haut, 1250 francs le kilo, de sorte que les transformateurs africains ne peuvent pas s'approvisionner réellement pour faire tourner leur usine. Mais reste que la loi, alors qu'il y a la pomme d'acajou. Oui, la pomme d'acajou est en train d'être vulgarisée. Elle est en train d'être, parce qu'il y a on fait du jus de cajou. Avec le cajou, on peut te faire un plat, si tu le vois, si les halpourras le voient, ils pensent que c'est du poulet. Or, c'est de la pomme de cajou. Et ça peut même régler un problème alimentaire. Vous voyez même un producteur qui, au moment de récoltes, cherche un peu partout du riz pour faire manger ses travailleurs. Or, et à côté, il lance les pommes de la carte. Or, cette pomme-là peut même être utilisée dans le cadre de l'alimentation. Okay. Voilà. Ndamaras bi alhamdullah mi ngi dox waaw prix bi mi ngi gën di yegg rek waaw prix bu yegg bi nak dina arranger lol producteur waye du arranger transformation bi mi ngi yegg employé mi ngi gën ki waye itam am nañ ay yenn difficulté yi moy lan ci difficulté yi moy li nga xamanteni bi unité de transformation yi pour ñu approvisionner wu prix bi cher na te itam état bi jappale wu len mu am ay fonds yo xamanteni dinañ ci wara mëna approvisionner unité de transformation bi at bi yépp wal ñu sété daw exporté nañ 45 000 tonnes gënë na ci xaaliss lu jëg ci 60 milliards de francs CFA ci ñetti wër yi li mu war a gën a def mooy benn nañu maîtriser suñu production maanaam fexe ba ñu koy bay bu baax a baax fii ci Sénégal beneen bi ngi def mooy fexe ba utal unité de transformation yi xaalis boo xamante ni dina leen permettre ñu jënd pour mën a garder li ñu war li stocké loo xamante ni dina mën a tourner les seen unités yi ci at bi yëpp. Par exemple, vous n'êtes comme financement par campagne, à tenir qui sort par exemple. Wax naa la ni exportation yi def na lu toll ci 60 milliards. 60 milliards lu bëri ci biir ndax transport bi sax diggante fii ba Inde day nekk ci biir. Lu mel ni ay 30 milliards dina mën a war a mën a tourner loo campagne bi saison bi ba mu jeex nga xam ne ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp muy commerçant avec transformateur bi. Waaw dina employé lu doll ci presque 300 000 doomu adama ci campagne bi. Jërëjëf la.